Typhon, Jasmin. As-tu une vie encore? Écoute, d'Afrique, banane, chimpanzé, koala, balafon, des Premières Nations d'Amérique, acajou, alpaga, caïman, hamac, tobagan, guacamole, tamarin, mississini, abitibi, manicouagan et Québec. En arrivant, nous avons des rêves inouïs. Quels sont tes rêves, copain? Chante quand ton père le voudrait, comme cela lui ferait l'honneur. Maintenant que tu es de ma famille, que ta suite fourmille et se multiplie, que ses accents torrides se sont moulés sur les miens, s'il te plaît, aide-moi. Ben oui, aide-moi. Il me faut ton aide. Toute ton aide, comme là-haut, il plane dans la toundra la plus lenteur d'une menace neuve. Prête-moi tes mains, tes bras, ton audace. Je suis certain que tu possèdes l'expérience qu'il me manque pour me prévenir de cela, qu'il ne nous vienne à ton contraire que pour me dépouiller de ce que je ne savais même pas posséder. Les vois-tu comme moi? Perçois-tu aussi les odeurs de soufre de ces diables coloniaux de retour, salivant devant ces richesses minérales gelées sous le pergélisol dont nos caribous ont toujours eu la garde. Vois comme ils bandent. Vois comme ils se poignent le moine des hosties. Imaginant les viols à venir du territoire, dernier et dernier répertorié, qu'ils défloreront comme ils ont toujours tout déviergé sur leur passage. Il nous faudra des accents flambants, neufs, coupants, aussi des verbes poignards, des traits sans réplique, capables de lui hurler aux oreilles. C'est assez! Basta! Tabarnak! Oui? Je m'excuse, mais oui, parfois, les jurons de la résistance langagière sont les seuls capables de réveiller ces morts vivants qui ne s'agenouillent que devant Mammon, la patride, qui nous révèle leurs conditions de reddition industrielle, minière, forestière, dans le glossaire d'Empire, celui des Stuart, des Tudor, qui est aussi celui de cette vieille Windsor de Fort dont on nous impose la bine et le jubilé sur toutes nos hosties de piastres. Ah, tu sais dont ils sont capables. Toi qui les auras probablement rencontrés chez toi, tu les as vus à l'œuvre, tous intégralement issus de couvées de crapules ou de vipères. Tu sais mieux que moi comment, pour te voler ta terre et tes filles, ils peuvent tout essayer. Toi qui auras ferraillé avec ceux-là, défié leur holocauste financier, déjoué leur maudit plan d'or de nègre, tu peux me dire comment faire la résistance, puis savoir leur répondre par la bouche de mes chansons. S'ils ne comprennent rien, ils font juste semblant. S'ils s'entêtent, on va leur jaser ça à un coup de pied dans le cul. Ça, ça ils entendent. Dans l'urgence du devoir de leur faire obstacle, par tous les moyens disponibles, il faut faire alliance par cette langue sauvage qui s'est encore nommée et dénoncée le voleur de poule, l'attraper par les abos, lui chauffer les oreilles, lui brasser la cage comme il le mérite, lui faire crier « Pardon, mon oncle !» avant de le renvoyer à l'expéditeur. S'il veut toujours pas convenir de nos manières et nous répondre dans cette langue généreuse que nous voulons écuménique, ni faire leur devoir de français élémentaire, n'en faire qu'à leur tête de cochon corps, hein? Ben, hostie, on va leur botter le cul. Au moins, ça, ils l'auront pas volé. Mais toi qui sais les faire du nègre blanc, noir, rouge, jaune ou vert, avec les pitons verts, fournis-moi la connaissance des jurons bien sentis qui nous purgeront de leur puante présence, puis pour toujours et à jamais garantir ma souveraineté. Voilà pourquoi tes mots me sont si essentiels. Ma langue sur ton archet, mon ut dans ta bouche, mes mains battantes et cadences, si nous accordons ainsi nos flûtes, rien ne pourra nous anéantir, rien de rien. Mais, pour l'heure,
Comme les loups sont encore très loin de nos bergeries, solidaire et frappant le joyeux tintamarre sur des casseroles de délivrance enfin désinhibées, nous avons encore bien le temps de rire un peu, non? Alors bois. Bois une bonne traite pour t'échauffer les sangs bien comme il faut. Et quand tes sangs bouilleront dans tes veines, si ton chant m'ensorcelle, comme je l'espère, rien ne pourra nous faire taire ou nous arrêter de chier, à part une presse en temps vite pissée qui nous viendra tantôt nous aurons bu. Et comme tout ivrogne qui se respecte saura te le dire, sache que nous n'achetons jamais la bière, ne faisons que la louer. Alors tous les deux, devant le bidet, plié en deux, nous le retournerons bien chaud encore d'où elle vient, c'est-à-dire chez le bonhomme Paulson. Celui qui va s'en affredonnant, se mouchant dans sa manche pour faire les enfants, celui-là sera toujours un homme libre. Celui qui chante sans fausse note dans la paix immense de son âme, celui-là, eh bien, il ne peut pas être un mauvais bouddha. À toi maintenant. Allez, je te laisse te brancher. Maintenant, demain, et pour longtemps, à toi de caler les rimes que tu voudras. Quand nous serons démanchés d'avoir trop gigué et trop ri, comme c'est la tradition dans le coin, et à chacun de nos chers rimes, partout où tu iras, pour tirer le diable par la queue et lui faire honte à force de savoir bien vivre, à toi de plein droit, pour finir de dire un bien vibrant, excusez-la. Salut tout le monde, merci. Merci. Alors, on est sur la fin, les amis. On est sur la fin. Vous êtes encore capables? Vous êtes encore bon? On termine en musique vers la fin du spectacle. Alors là, on s'en va au Sénégal. Fuck en Alaska. Teinté de sonorité africaine. Alors, juste avant, je voudrais juste remercier toute l'équipe technique du Lion d'Or qui est ici depuis ce matin. Mathieu, à l'éclairage, et Antoine, au son. Merci, messieurs. Ben Barbecue, ici, qui est ici depuis tard ce matin. Gros travail. Eux aussi, ils sont là pour la cause. Merci infiniment. Véro, on le fait encore, on le remercie. Merci encore, Véro. Alors, il y a un monsieur aussi qui est ici, qui a travaillé très fort avec moi. Je m'en voudrais de ne pas le mentionner. Paulo. Un spectacle comme ça, ça ne s'organise pas tout seul. C'est pas un énorme travail. Paulo, il est là. Paulo, en fait, il est là. Paulo, il est là pour faire toutes les affaires que j'ai à y faire. Des affaires plates, mais indispensables. Hein? Oui, c'est ça. Exact. Paulo, est-ce que tu as un mot à dire? Très rapidement, ben merci à tout le monde d'être là. Si vous n'étiez pas là, on ne pourrait pas faire des événements comme ça. Je pense que avec les deux spectacles qu'on a fait, on a tellement vu de numéros intéressants, riches, et c'est vraiment un spectacle original. Je pense qu'il y a personne qui n'a jamais fait ça, un spectacle du genre. Avoir des gens qui ont chanté en français pour peut-être la première fois dans leur vie. Oui. Alors, mais si vous n'étiez pas là, on n'y arriverait pas. Et puis, je vous remercie du fond du cœur. Et puis, on espère peut-être est-ce qu'on va le refaire. Mais... Oui. Là, vous en parlez autour de ça. Le plan, c'est de grossir. Moi, je pense au Stade Olympique l'année prochaine. Pensez-vous que c'est une progression correcte? Peut-être que je suis un peu ambitieux. C'est bon, comment ça fait? Non, mais en fait, mon fantasme, je vais vous le dire, mon fantasme, ce serait
de... J'ai beaucoup de fantasmes, maintenant. Ce serait de faire une journée complète dans un parc à dans Côte-des-Neiges. L'été, au mois de juillet. Non, non, mais quand même. Dans Côte-des-Neiges, tu parles 92 langues, OK? C'est un quartier évidemment multiethnique, mais des gens aussi qui, pour toutes sortes de raisons, n'ont pas accès même au français. Moi, je verrais beaucoup, on commence à midi, on installe une scène, puis pendant toute la journée, il y a des groupes qui viennent d'un peu partout chanter en français. J'imagine des familles de gens d'un peu partout qui viendraient s'asseoir dans un parc, écouter des gens qui viennent de leur pays ou d'ailleurs, qui eux ont adopté le français. J'imagine plein de gens qui ne parlent même pas français sur le parterre de ce parc-là et qui entendent le fuck en Alaska, qui entendent j'ai planté un chêne, qui entendent du Desjardins, qui entendent. Je pense que ça sera une journée extraordinaire. Ouais. C'est un peu ça que je vis dans 3-4 ans. On va y aller tranquillement, mais c'est un peu ça que je vis. Bon, on va commencer par finir cette année, hein? Quand même déjà 11h43. Alors, je vous présente Oumar Ndiaye, natif du Sénégal, établi ici depuis une dizaine d'années. En fait, il est établi depuis 2008. Hein? Il y a 6 albums à son actif, c'est une grande vedette au Sénégal. Son style musical, c'est un mélange de rythmes molof et de mélodies du Fouta. Je vous laisse vous amuser avec Oumar Ndiaye. Bonsoir, honorable public. Merci à Denis Trigger de m'avoir permis en fait, de jouer devant cette publique audience. Applaudissez-vous. Merci. Et comme mon compatriote Bogart Diouf qui s'est intégré dans la nation québécoise à 100%, je pense bien. Moi aussi, je voudrais quand même m'intégrer. Là, j'ai commencé à faire mes premiers pas. J'ai fait une chanson, j'ai composé une chanson qui s'appelle Viva le Québec. Oui, très bien. Vous n'êtes pas fatigué, hein? Non! Vous n'êtes pas fatigué? Non! Ok, on y va. Viva, 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 viva le Québec. Viva, 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 we'll be right back.
Parce que l'autre tout à l'heure, l'autre me disait, mais Omar, tout à l'heure, tu n'avais pas un chapeau. Mais oui, ça fait partie de l'intégration. Moi, lui, cette chanson, c'est l'une des plus belles chansons françaises que j'ai, parce que j'en ai entendu quand même beaucoup. Au Sénégal, quand même, on est très ouvert. On connaît le nom de la chanson française. Mais quand Liette Gauthier m'avait donné les paroles, en fait, du folk en Alaska, j'ai vraiment aimé vraiment la magie, la poésie, l'histoire qui se passait autour de ce folk. Tu vois, cette histoire d'amour, c'était incroyable. Il m'avait donné vraiment beaucoup de chansons, mais j'ai pris cette chanson-là. Mais ma grande surprise, en fait, parce que le rythme qu'on l'a fait là, c'est quand même rythmé. Et j'aurais vraiment pensé que c'est rythmé. Mais quand j'ai entendu, en fait, le folk en Alaska véritable de Michel Reda, c'était quand même très cool. Très cool. Mais effectivement, puisque toutes les grandes musiques ont plusieurs âmes, et c'était normal aussi, effectivement, parce que. C'est ça, c'est pourquoi donc une grande musique ne meurt jamais. Voilà, c'est ça. Okay.
Ouais, ils ont compris la leçon. Ça vaut pas la peine. Thank you.
Thank you.
voir en haut, on l'a su. Alors, c'est la fin du spectacle « J'aime ma langue dans ta bouche » du mouvement Québec-Français qui est en direct sur 99media.org. Merci à tous d'avoir été des nôtres pour cette journée. Tu dis, toi?